Des inondations frappent la région de Krasnodar en Russie depuis samedi, conséquence de fortes précipitations. D'après le gouverneur régional, l'équivalent d'un an de pluie est tombé en un jour dans ce secteur. 1500 personnes ont dû être évacuées, dont 1000 enfants de colonies de vacances. Les inondations ont endommagé 1400 maisons et environ 108 000 résidents se sont retrouvés sans électricité. L'état d'urgence a été déclaré dans 14 localités. Le trafic a été interrompu sur l'autoroute reliant Novorossiysk et la ville de Kerch en Crimée avant d'être rétabli. Le chauffage ne fonctionne pas, il n'y a pas d'approvisionnement en eau chaude. Les pièces de notre maison ont été endommagées, ainsi qu'un réfrigérateur et un congélateur et tous les meubles. De fortes pluies sont encore attendues dans les prochains jours, selon les autorités.